Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour un vidéo test sur The Legend of Zelda Link's Awakening. Let's do it! Un jeu sorti, comme vous avez pu vous en apercevoir, en 1993 à la base. Alors attendez, sauvegarde automatique. On va plutôt commencer sur cette sauvegarde. Parce que sinon ça va un peu spoiler. Donc, qu'est-ce donc que ce The Legend of Zelda? Alors, c'est un Zelda à l'ancienne, en vue du dessus. Donc, en 2D, mais bon, avec des graphismes 3D. Mais bon, c'est un gameplay 2D. Un gameplay isométrique des Zelda 2D. Enfin, en vue du dessus, je ne sais pas comment... comment on explique cela. Mais voilà, c'est vraiment à l'ancienne, comme vous pouvez le voir. Bah, tellement à l'ancienne, que quand on déplace Link, voilà, hop! Il n'y a même pas d'animation, d'ailleurs c'est ça qui m'avait un peu choqué au début. Il n'y a pas, même pas d'animation quand on change de côté. Alors que dans Zelda Between World, sur 3DS, qui était exactement du même style, bon, sauf au niveau graphique, mais c'était aussi en vue du dessus et en 3D, eh bien au moins l'animation de Link était fluide, voilà, quand on tournait comme ça. Bah, logique. Là, par contre, on tourne vraiment comme si on avait une croix directionnelle. Et le pire, c'est que avec la croix directionnelle, eh bien, il ne se passe rien. Là, je n'ai pas compris. Pourquoi avec le stick, il se déplace comme si on était, comme si on se déplaçait avec une croix directionnelle, et que la croix directionnelle est condamnée? Pourquoi? Ah, c'est complètement stupide. Enfin bon. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ça commence par un coup de gueule. C'est ma défaite. Alors, The Legend of Zelda Link's Awakening. Alors, à la base, c'était un jeu de Game Boy... j'allais dire Color, mais non. Un jeu Game Boy tout court. De la Game Boy première du nom. Là, ils ont rien changé à part les graphismes. Et ce qui m'a vraiment impressionné... Bon, par contre, voilà, vous avez vu, hein, y a eu un petit lag. Non, ça ne vient pas de votre connexion internet, ou de ma capture. Non, ça a été vraiment un petit lag de la Switch. Et voilà, bon, ça c'est un gros point noir, que j'expliquerai un peu plus tard. Mais alors, ce Link's Awakening, à la base, est un jeu sorti sur Game Boy. Il me semble que c'était le Zelda... Il est sorti un peu après... Oui, il est sorti... Enfin, même c'est sûr, il est sorti après le Zelda de la Super NES. Zelda 3. Que je n'ai jamais fait. D'ailleurs, je n'ai jamais fait aussi le Zelda Game Boy. Car moi, j'ai une Game Boy Color, mais j'ai que des jeux pourris dessus. Mais peut-être que j'étais mal aimé, je ne sais pas, mais... Mes parents avaient choisi les pires jeux sur Game Boy Color. C'est des jeux... peu commun. Hein. Je n'ai même pas envie d'en faire des vidéos tests. Ou alors pour se marier. Hein. Mais bon. Affiche-toi. Et pourtant, la Game Boy est une console qui a eu énormément de bons titres, comme ce Zelda, par exemple, qui est, à mon goût, en tout cas, de ce que j'ai vu, le titre le plus évolué de la console. Car déjà, il est extrêmement vaste, extrêmement riche. Bah, il est aussi riche qu'un Zelda 3 de la Super NES, c'est ça qui est assez incroyable. Puis il y a vraiment différents environnements, bah, comme vous pouvez le voir là, voilà, on est dans un environnement un peu plus bon, style Halloween, avec voilà des... Des arbres qui ressemblent à moitié, je sais pas, ça m'a toujours fait penser à des citrouilles à moitié. Ou des zombies, voilà, hop. Des zombies taupes. Ou des fantômes. D'ailleurs, ce Zelda-là est bourré de références Nintendo. Quand on va en... Hop, on va avoir des petits easter eggs, on voit un petit, par exemple, une petite peluche Yoshi. Attendez, faut prendre la plume. Hop. Plume qui nous permet de sauter par-dessus. On a plusieurs objets, voilà, comme vous pouvez le voir.
Les deux emplacements qui me restent, ça doit être pour des flacons. Sinon, voilà, on a... voilà, au niveau des objets, on a le classique, hein. Bon, la plume pour sauter. Les bombes pour faire exploser les murs, ou aussi pour vaincre des ennemis plus facilement. La pelle pour déterrer des trésors, dont généralement des coquillages, qui nous permettent de d'upgrader diverses choses, que je vous montrerai plus tard. L'Ocarina, première apparition il me semble de l'Ocarina. Ah non, il y avait l'Ocarina sur Super NES. Attention, deuxième apparition de l'Ocarina. Donc c'est pas vraiment dans Ocarina of Time qu'on l'a vu pour la première fois. On a le grappin. Bon, même si là l'Ocarina ne sert pas vraiment à grand chose. Il y a trois musiques différentes. Alors voilà, on a de base celle de Marine. Marine c'est un peu, on va dire, la remplaçante de la princesse Zelda. Hein. Bon, c'est en fait, pour l'histoire, c'est une fille qui nous a retrouvés échouée sur l'île. Qui nous a secouru et qui par la suite bon elle se fait pas kidnapper mais bon on ne la voit pas trop souvent et elle nous aide un petit peu dans l'aventure donc voilà Marine voilà fredonne tout le temps cette mélodie donc cette mélodie qui nous permet de résoudre une énigme bon je vais pas spoiler évidemment parce qu'en plus c'est vers la fin qu'elle sert surtout cette mélodie. Le Mambo, ce Mambo endiablé vous a été enseigné par Mambo, donc ça c'est pas mal cette mélodie, car elle nous permet de nous TP. Voilà, directement. Par exemple, je peux me TP ici. Alors, généralement ici c'est un bon spot, parce qu'on se retrouve pas loin d'une fée. Voilà, dans tous les Zelda, je pense que vous connaissez les Zelda. Hein. Ah, je vais pas faire comme pour Mario Party où je vais tout expliquer. Avant Dieu. On va dire que Zelda c'est quand même plus connu que Mario Party. Enfin je crois. Ah, je sais pas. Hop. Et voilà, là on a un spot pour pouvoir choper des fées dans les flacons. Voilà. Généralement c'est ce que je garde dans les flacons, c'est ce qu'il y a de plus utile. Par contre, elle restaure pas tous nos cœurs, je crois que c'est 8 cœurs, un truc comme ça. Sachant que dans ce Zelda, on a deux modes de difficulté, il me semble, un mode de difficulté normal, classique, et un mode de difficulté difficile pour les joueurs plus expérimentés. Moi, j'avais pris le mode difficile, et le problème, c'est qu'il n'y a jamais de cœur dans le mode difficile. C'est-à-dire qu'on peut se soigner uniquement avec les fées, ou alors, en voyant un PNJ qui nous permet de nous soigner. Ah, le PNJ en question, je vais vous le montrer. Ou alors dans la carte, hein, je vais juste montrer sur la carte. Hop, il faut se rendre. Attendez, c'était où déjà ça ta, si je réfléchis bien. C'est Hutte de la Sorcière, ça doit pas être loin. Voilà, Pharmacie de Monique. Donc, faut voir Monique. Alors, Monique, ça fait nom de vieille femme, alors qu'en fait, vous allez voir une jeune femme. Mais bon, je n'ai pas compris, c'est peut-être la traduction FR, je sais pas. Enfin, je pense, hein, ça m'étonnerait qu'au Japon, il y ait quelqu'un qui s'appelle Monique. Ah, Monique. Et voilà, sinon, comme vous pouvez voir, la carte est quand même assez vaste, surtout pour un jeu de Game Boy, faut se rappeler à chaque fois que c'est un jeu de Game Boy. Et le jeu est extrêmement vaste, extrêmement riche. Il est long. À peu près 10-15 heures pour le finir. Bon, sachant que j'ai pris mon temps, parce que des fois, bon, j'étais assez bloqué quand même. Il y a des moments. Bah, surtout dans cette zone-là. Alors, c'était où? Temple du Sud. C'était là, je crois. Je crois que c'est au Temple du Sud. Alors, moi, il fallait combattre un espèce de... Une espèce de facochère en armure. Et le facochère en armure, il était invincible. Théoriquement, il était invincible. Il ne se prenait pas de dégâts. Que je frappe avec le grappin, avec l'arc, avec mon épée. Ou avec même le bâton de feu. Bâton de feu, je vais vous montrer vite fait. Hop,
Alors on envoie une boule de feu comme ça, c'est plutôt pratique. On va dire que ça remplace l'épée Excalibur, parce qu'on n'a pas d'épée Excalibur là, on n'a pas l'épée la Master Sword dans cet épisode. C'est d'ailleurs l'un des rares Zelda où on n'a pas la Master Sword. Parce que il me semble que même dans le premier Zelda sur NES, on avait la Master Sword, oui, on l'avait, c'est sûr. Parce que la Master Sword nous permettait d'envoyer des rayons d'énergie si on avait toute notre vie. Un peu comme voilà la boule de feu, comme ça. Bon, là, c'est la boule de feu qui remplace le truc. Mais voilà, le facochère, en fait, il fallait le battre avec seulement le coup circulaire, comme ça. C'est la seule chose où j'ai regardé Internet. Voilà. Alors, c'est tout bête, mais moi, je n'y avais pas pensé, qu'il fallait faire ce coup-là, principalement, pour le toucher. Et je trouve ça vraiment abusé. C'est quand même un point faible du jeu. Alors, bon, faut remettre le truc dans le contexte de l'époque, tout ça, c'est sur Game Boy. Bon. Il n'avait peut-être pas trop le choix de faire ça, je ne sais pas. Pour faire au moins un ennemi, un minimum coriace, au lieu de seulement le toucher avec l'épée. Mais bon, ils auraient pu au moins faire un indice, je ne sais pas, un hibou avant, ils auraient pu mettre un hibou avant qui dit donne un... Enfin, non, je ne sais pas non plus... Qu'est-ce qu'on aurait pu dire comme phrase comme, pour faire l'énigme. Sa faiblesse est circulaire. Voilà, un truc comme ça. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, au moins, il y a quand même un petit truc circulaire, son point faible. Point faible de qui? Bah, de l'ennemi qui va apparaître plus tard, tu vois. Juste sur la salle d'après. Ils auraient pu faire ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je ne sais pas. Donc moi, du coup, comme un con, je suis allé sur Internet pour pouvoir trouver, voilà, en fait, fallait faire ce coup-là pour pouvoir le toucher. C'est un peu nul. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule. Décidément, il va y avoir pas mal de coups de gueule, même si, globalement, je trouve que c'est un jeu exceptionnel. Mais voilà, j'ai le droit de donner mon avis. Hop. Alors bon, on va se balader à droite à gauche comme ça, je vais vous montrer un petit donjon. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler. Ah, ça, c'est d'ailleurs... il me semble que c'est le seul Zelda qui a cette fonctionnalité, en fait. Ce sont des espèces de petits boosts. Alors, soit on a le petit boost de l'épée, donc là on tape deux fois plus fort, il me semble, c'est ça, pendant un certain temps. Ou soit, on a deux fois plus de défense. Voilà. Si on se fait toucher, on perd deux fois moins de vie. Ah, d'ailleurs, là, je joue assez mal. Je me suis fait toucher deux fois et vous avez vu que j'ai perdu seulement un cœur. Parce que j'avais déjà eu une upgrade et en fait, c'est la tunique que j'ai sur moi. C'est une tunique bleue, alors qu'à la base, évidemment, Link il est en tunique verte. On a le choix entre la tunique bleue et la tunique rouge. Vers, je sais pas, peut-être à 70% du jeu à peu près. Et donc, la tunique rouge, c'est pour taper deux fois plus fort et la tunique bleue pour avoir deux fois plus de défense. Moi, j'ai préféré prendre la tunique bleue parce qu'évidemment, je suis en mode difficile, on a presque jamais de cœur, voilà. Je n'ai pas trop pris des risques, et sachant que ça ne change pas grand-chose contre les boss. Car même si on tape deux fois plus fort, ça change pas grand-chose sur les boss. J'ai déjà eu un bonus pour taper deux fois plus fort, et sans le bonus, le boss, en fait, je le bats de la même façon. Voilà, ça marche que sur les ennemis basiques. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui. Alors, il y a divers bâtiments comme ça. C'est une grande nouveauté par rapport aux anciens Zelda, dans celui-là. Je vais bien sûr parler par rapport aux trois anciens Zelda de l'époque. C'est qu'en fait, on a beaucoup de PNJ dans celui-là. Et surtout que chaque PNJ a sa propre petite histoire, sa propre petite maison. Après, voilà, ça vole pas bien haut. C'est surtout pour pouvoir résoudre des énigmes. Et il me semble que c'est comme ça qu'on récupère l'ocarina, au bout d'un moment.
En fait, par exemple, on récupère une banane par terre, je sais pas, je dis n'importe quoi. On récupère une banane par terre, il y a un PNJ, c'est un singe qui parle, et hop, il nous dit « Ah, bah, j'ai un petit creux », et hop, en fait, faut lui passer la banane. Quand on lui passe la banane, du coup, il nous passe, en échange, un autre truc. Cet autre truc, on va le passer à un autre PNJ, qui va nous échanger encore un autre truc, etc., etc. C'est plutôt bien trouvé, sachant que, globalement, c'est plutôt bien foutu, parce qu'on trouve quand même assez rapidement vers quel PNJ on doit se tourner pour tel objet. Parce que si on lit bien les dialogues, etc. Par exemple, Jay, ouais, bon. Lui, il ne dit plus grand-chose, vu que j'ai déjà fait l'énigme. Mais qu'est-ce qu'il disait avant ? J'ai un petit creux, ou un truc comme ça, juste. Donc après, il fallait... fallait récupérer un objet... de la nourriture, quoi. Un objet mangeable. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bah, oui, aussi, voilà. Bon, petit point faible. Alors. Que je dois quand même, malgré tout, souligner, parce que... bon, on l'a aussi dans Zelda Breath of the Wild, sur la version Wii U. Sur Switch, c'est assez fluide, par contre. Sur la version Wii U, on a des gros lags. Mais bon, ça ne... On va dire que ça n'entrave pas trop l'expérience de jeu. Parce que dans de la 3D, ça va encore. Mais quand c'est un scrolling comme ça, parce que même si on est en vue du dessus et en 3D, la caméra bouge assez rapidement et c'est finalement un scrolling. C'est une sorte de scrolling vertical et horizontal. Eh bien, c'est pas une caméra qu'on déplace librement. Eh bien, il y a très souvent des hoquets de framerate. On peut très facilement passer de... Là, on est en 60 images par seconde. Mais on peut très facilement passer à... Là, vous avez eu quelques petits hoquets, des fois. Et à certains moments, surtout vers la fin, quand on est vers le mont Péril... Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Quand on est vers le mont Péril, enfin vers le haut, ben vous allez voir qu'il y a de sacrés gros lags. Et même par moment, pendant 5 bonnes secondes, c'est quand même vachement long, le jeu est en 15 ou 20 FPS. Hein. Ah, c'est assez... Voilà, là déjà, ça lag un petit peu. Et je trouve que à certains moments, c'était même gênant sur certains boss où... Évidemment, la version Game Boy n'avait pas du tout ce souci. On avait du 60 images constant sur Game Boy. Alors que là, je ne sais pas pourquoi, le jeu n'est pas très bien optimisé, il lag à fond, alors que graphiquement... Alors, il est très mignon, il est assez réussi. Bon, je ne vais pas aller là, parce que c'est quand même l'un des derniers donjons. Je voulais vous montrer l'exemple du lag. Voilà, là, regardez. C'est quand même impressionnant. Ah là, c'est bon, ça lag plus, mais... Dès qu'il y a même 3 ou 4 ennemis à l'écran, c'est une catastrophe. Hein. Alors attendez. Je vais vous montrer. Le tout premier donjon. Hein. On va pas. Quoique. Ah non, je vais pouvoir faire une bonne transition sur la cabane d'Igor. Parce que ici, dans la cabane d'Igor, eh bien. C'est la nouveauté de cette version Switch par rapport à la version Game Boy. C'est la seule nouveauté, parce que sinon c'est le même jeu, en plus beau. Bah d'ailleurs, parlons des graphismes vite fait. Je trouve que ce style, au tout début, m'avait un petit peu... Bon. Je n'étais pas très fan de ce style-là. Mais par la suite, on s'y habitue, parce que voilà, c'est un style très Animal Crossing, un peu Playmobil au niveau des PNJ, des personnages. C'est surtout les personnages, parce que, par contre, les décors, j'ai rien à dire. Les décors, moi, je les trouve fabuleux. Moi, je trouve ça tout mignon, en plus, on a l'impression de se balader sur un plateau, une maquette. Un peu une maquette en 3D. Et c'est vachement réussi, ce côté maquette. Et puis c'est tout mignon, hein, vous voyez, c'est très joli, ça rend vachement bien.
Et puis finalement, bah, je trouve que les personnages... excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Je trouve que les personnages s'intègrent parfaitement bien dans ces décors en 3D. C'est juste qu'au début, ouais, bah, j'avais un peu de mal. J'avais un peu de mal avec le design. Moi, j'étais habitué au design de... des Zelda plus réalistes, du genre Ocarina of Time, Twilight Princess. Ou j'étais habitué aussi au design plus enfantin, plus coloré, du genre Skyward Sword ou Wind Waker. Mais là, c'est encore un autre style. Et bah, ça fait très style Animal Crossing, un peu, où j'avais un peu de mal. Mais bon, au final, on s'y habitue. Link avec ses gros yeux à la Tintin, là, c'est... on s'y habitue. Bon. Et puis il est tout mignon, finalement. Bon. Il a quand même un meilleur design que le Link de Zelda Between World, qui est horrible. Le Link de Zelda Between World, what? Bon, un jour, je vous en ferai un vidéo-test, un jour... quand je pourrais capturer ma 3DS, 20 dieux. C'est très compliqué de capturer une 3DS. Tac. Alors, on va voir Igo. Alors, c'est ce qui est pas mal dans ce Zelda. Hop. Dans ce Zelda Switch. La nouveauté, en fait, c'est que... Voilà, bon, Igor, plus on avance dans le jeu, plus il nous donne des carreaux. Ou alors on peut trouver quelques carreaux sur la route. Et voilà, en fait, on peut créer un donjon. On peut créer notre propre donjon avec les boss, tout ça. Par exemple, j'avais fait un exemple à l'arrache. Bon, j'ai... Faut avoir du temps, faut un peu créer à droite à gauche. C'est du même genre que Mario... comment il s'appelle déjà? Mario Maker. Enfin voilà, on voit la date d'ailleurs. La musique est sympa, là. Le petit remix là en mode 8 bits à moitié. Ah, je l'aime bien. C'est le thème principal de ce Zelda. Qui est très très bon, très réussi. D'ailleurs, l'OST est incroyable. Déjà sur Game Boy, elle est mémorable. Alors là, elle est encore plus évidemment grandiloquente vu qu'on a de l'orchestral, tout ça. C'est... Évidemment, on est sur Switch, hein, il ne faut pas s'en priver. Du coup, on va essayer notre donjon, vite fait. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble un peu un donjon. Hein. Même si, bon, je n'ai pas fait un donjon fantastique. Mais surtout, la particularité de mon donjon, bah, c'est que j'avais mis surtout des salles où il y avait des boss. Bon, un rubis rouge n'est pas fabuleux. Ah voilà, là, il y a un petit lag aussi sur Link, vous avez vu. Bon, c'est moins gênant dans les donjons, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de scrolling, généralement. Enfin, c'est assez rare. Les salles sont assez petites, du coup, c'est une caméra fixe. Hop. Ah, et dans nos donjons, on peut mettre des cœurs. Alors... C'est quand même assez limité à ce niveau-là, parce que les cœurs sont là seulement en mettant cette salle-là. Voilà. On peut pas nous-mêmes placer des cœurs. Un petit boss. À la base, c'est un boss dans un donjon, mais là, je l'ai mis en tant que mini-boss. On peut faire un peu ce qu'on veut avec les boss, donc ça, c'est plutôt cool. La petite épée ne pourra pas briser cette jarre. Voilà, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire déjà contre cet ennemi-là? Même ces murs, alors faut le pousser, quoi. Ah oui, faut le soulever et le balancer, juste. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, des petites énigmes à chaque boss, hein. Alors c'est exactement évidemment les mêmes boss que sur Game Boy. Et franchement, plus j'avançais dans le jeu, plus ça m'impressionnait. Me dire que ça tournait sur Game Boy, c'était quand même assez incroyable. Bon,
évidemment avec les graphismes un peu en moins, même si graphiquement sur Game Boy, il ne faisait pas pâle figure face aux Zelda de la Super NES. Hein. Graphiquement, c'était aussi détaillé que Zelda sur la Super NES, quasiment aussi détaillé, au niveau des sprites, etc. C'était juste en noir et blanc. Ah, il y a quand même pas mal de lag, hein. C'est vraiment dommage. Bon, est-ce qu'on peut le toucher avec la boule de feu? Ah bah oui. Bon, évidemment, quand on combat ce boss la première fois, on n'a pas la boule de feu. On l'a assez tardivement, cet objet. Ah, par contre, gros point faible de ce Zelda, en tout cas sur la version Game Boy qu'ils ont corrigé sur cette version Switch, c'est que quand on chopait un bonus, c'est-à-dire les bonus soit de force pour avoir deux fois plus de puissance, soit de défense, comme vous avez vu tout à l'heure, et ben, y avait une petite musique, voilà, il y avait une espèce de petite musique qui faisait... Enfin, plein de fois comme ça, je chante très mal. Ah, nickel. Qui était très répétitive. C'est une boucle de 3-4 secondes. Et bien, dans cette version Switch, on l'entend à peine. Ils l'ont mis en fond, mais en moins fort. Alors que sur Game Boy... Ah bah tiens, voilà, par exemple, là on a des bouts, voilà, référence à Mario, forcément. Alors... Je sais plus si on peut les tuer ceux-là. Peut-être avec la boule de feu. Ah bah oui. La boule de feu. Ah, du coup ça fait apparaître un coffre. Bon, c'est assez classique les donjons. Je suis moins fan des donjons des premiers Zelda comme ça. Même si ça a quand même son charme. Mais je préfère. Je vais être honnête, je préfère les Zelda 3D. Hein. Surtout en termes de donjon. C'est forcément... C'est plus original. On se déplace dans un environnement... qui se renouvelle à chaque fois. Alors que là, forcément, c'est en vue du dessus. Ils ont moins de liberté graphiquement. Donc il n'y a pas vraiment un donjon qui me dit « Purée, ça c'est le donjon de l'eau, ça c'est le donjon du feu. » Il n'y a pas un donjon qui a vraiment un thème en particulier. Je trouve. En tout cas, c'est mon avis pour les Zelda 2D. C'est pour ça que pour moi, je ne comprends pas trop les personnes qui comparent les Zelda 2D aux Zelda 3D et qui disent, voilà, la plupart disent que les Zelda 2D sont mieux. Bah dont le Hooper. Pour lui, son Zelda préféré, c'était pas un Zelda 3D, c'est un Zelda 2D. C'est celui-là, il me semble, d'ailleurs. C'est le Link's Awakening. Alors, évidemment, pour le mettre... Attendez, Ah oui, on est déjà au boss. Bon, je vais quitter le donjon, parce que je vais pas trop vous spoiler, quand même, les boss. Là, on a déjà fait deux boss. Enfin, c'était juste un petit mini-boss, le dernier. Sortir du donjon. Hop. Alors, on va bientôt s'arrêter là. Je vais juste vous montrer le coquillage par exemple. Hop, c'est une maison au coquillage. Parce qu'en fait, des fois, on déterre des coquillages. Alors, grâce au détecteur, on peut les trouver un peu plus facilement. Hop. Et voilà, par exemple, je mets dessus pas de réponse, vous ne devez pas avoir assez de coquillages. Parce qu'en fait, voilà, à chaque fois qu'on a des coquillages, la barre verte à droite se remplit. Enfin, le liquide vert, je sais pas trop ce que c'est. Et...
à chaque fois qu'on se retrouve au niveau d'un coquillage sur la gauche, eh bien, on a une récompense. Voilà, donc bon, la première fois, c'était juste un détecteur de coquillage. Et la deuxième fois, je sais plus, c'était quelques rubis. Ou un quart de cœur, je ne sais plus. Mais bref. Des petites récompenses. Après, vraiment, faut vraiment en avoir beaucoup pour... Enfin, faut quasiment tous les avoir pour choper l'avant-dernière récompense. Hein. Parce que j'en ai pourtant récupéré beaucoup et je n'ai pas tout chopé. Enfin, je n'ai pas l'avant-dernière récompense. Bah là, on contourne le château. D'ailleurs, je trouve que la topographie, globalement, est plutôt bien foutue de la carte. Il n'y a pas trop d'endroits un peu invraisemblables où ça change d'un coup d'ambiance. Bon, peut-être un peu là, un peu au centre. Ah oui, d'ailleurs, on peut zoomer, mais bon, ça fait très mal aux yeux. Hein. Là, ça rame. Il y a des endroits où ça rame moins. Voilà, là, c'est fluide. Voilà. Je ne sais pas comment ils ont fait Nintendo pour que le jeu soit aussi mal optimisé, mais bon. C'est vraiment dommage. Alors, peut-être que ça vient de ma carte SD qui est complètement HS, hein, je ne sais pas, mais c'est le seul jeu qui rame comme ça sur ma Switch. Que bon. Et puis surtout qu'il n'y a pas grand chose à afficher, parce que même si le jeu est assez beau et détaillé, c'est du vu du dessus. Donc la console n'est pas obligée de tout charger d'un coup. Donc c'est quand même assez bizarre que ça rame comme ça. Bon là on est en 60 fps, mais pourtant moi je suis pas du genre à râler là-dessus. Il y a des jeux sur lesquels il peut y avoir des lags, il peut y avoir des petits ramages. Et bon moi ça ne me gêne pas personnellement. Mais quand c'est trop redondant, quand ça arrive trop souvent comme ça... Bon, par exemple, dans Ratchet & Clank sur la PS4, j'ai eu un moment un lag de 2-3 secondes, très très court. Le jeu, normalement, tourne en 30 fps constant, et à un moment, voilà, il s'est mis un peu à ramer, il tournait peut-être en 20 fps, enfin voilà, c'était beaucoup plus... Tu sentais que ça laguait et que voilà, qu'il y avait un input qui n'a pas été compté, mais c'était arrivé qu'une seule fois dans le jeu, qu'une seule fois. Et c'était à un moment donné où on était envahi par énormément d'ennemis, c'était vers le début du jeu, plein d'ennemis qu'on pouvait avoir quasiment du premier coup, mais voilà, c'était... Quand ils apparaissaient quasiment en même temps et il y avait énormément de choses qui se passaient à l'écran. Donc voilà, bon, allez... Après oui, on est sur PS4, voilà, on était Ratchet & Clank, c'est sur PS4, donc voilà, sur PS4 c'est mieux optimisé, mais bon, quand même. Au pire, ils auraient dû le faire en 30 FPS constant, ce Zelda, je ne sais pas. Peut-être que là, il serait vraiment en 30 FPS constant, il n'y aura pas de lag. Mais bon, même en 30 fps, finalement, si c'était en 30 fps constant, ça serait pas vraiment mieux, parce que vu que c'est un scrolling qui bouge assez vite, là, ça ferait assez mal aux yeux, plutôt assez rapidement, surtout pour ceux qui ont une grande télé. Alors attendez, par contre... Ah oui, et... Voilà, dans ce Zelda, on peut nager. Alors, il me semble que c'était pareil aussi dans le Zelda 3D. Zelda 3. Mais pour de la Game Boy, c'était assez fou. Il y avait énormément de choses différentes. Hein. Voilà, je vous ai montré à peu près tous les objets. Bon, il y a le grappin, le classique. Et bon, on a quasiment tous les objets principaux des Zelda. C'est quand même vraiment pas mal. Ah bah tiens, là par exemple, il y a un donjon. Hop, on peut rentrer. Les temps de... Il y a des temps de chargement à chaque donjon, mais bon, c'est très rapide. Là, il n'y a aucun souci, par contre, au niveau des temps de chargement. C'est très rapide, c'est plutôt bien optimisé de ce côté-là. Par contre, voilà. Il y a ça aussi, je dois souligner là-dessus. Je trouve que, voilà, ces téléporteurs... Au début, je ne comprenais pas. Je croyais qu'il fallait appuyer sur A ou faire quelque chose, appuyer sur un bouton pour que le téléporteur s'active. En fait, il faut bien se mettre
pas vraiment au centre, mais un peu vers le bas du téléporteur. Sinon, ça ne marche pas. Bah, par exemple, je me mets là, ça ne marche pas. Ah, là, ça marche. Bon, là, on est plutôt au centre. Mais certains téléporteurs, on est obligé de se mettre un peu vers le bas. C'est pas pareil pour tous les téléporteurs. Ah, par exemple, là... Voilà, là. Ici, c'est bon, mais... C'est un peu un poids faible. Ça ne marche pas très bien. Bon, après, c'est un petit point faible, mais bon... C'est quand même à souligner, parce que j'ai trouvé ça vraiment étonnant, surtout venant de la part de Nintendo, qui généralement, ils optimisent parfaitement bien leur jeu. Là, il y a quand même des petits soucis. Bon, si c'était un studio indépendant, j'aurais rien dit, mais c'est quand même Nintendo, les gars. Voilà, là on a la carte du donjon. Et puis comme tous les Zelda qui se respectent, la carte du donjon, on l'a à peu près un peu plus tard dans le donjon, soit quasiment au tout début, ou soit vers la fin, ou au milieu. Un peu quand on veut. En résolvant une énigme dans une pièce. Sachant que voilà, on a dans la plupart des donjons, on a plusieurs étages. Bon, là, on a seulement le sous-sol. Et le rez-de-chaussée. Enfin voilà, sinon ce que vous voyez à droite de mon curseur, l'espèce de bec jaune, en dessous de la boussole nous permet de nous repérer sur la carte. Voilà. Donc on a la tête de Link voilà, sur la carte directement, ça c'est grâce à la boussole, qu'on récupère aussi plus tard dans le donjon, dans les donjons. Et sinon, le bec nous permet de... Enfin, globalement, il ne m'a pas servi à grand-chose, parce qu'on le récupère assez tardivement, souvent dans les donjons, et alors qu'on a déjà résolu la plupart des énigmes. Mais bon, le bec nous permet de... parce que dans chaque donjon, on va avoir une espèce d'hibou, alors vous allez voir. Une statue hibou. Ah, purée. Voilà. Ils sont pénibles, ceux-là. Faut attendre qu'ils nous attaquent. Alors, est-ce qu'il va y avoir une statue par là? Non. Ah oui. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais des fois, voilà, il y a des phases en 2D, à la Zelda 2D, à la Zelda 2, un peu. Sauf que là, évidemment, c'est une grosse référence, parce que on se confrontera généralement contre les Goombas. Donc voilà, grosse référence au Mario, forcément. Donc oui, c'est un peu un... Ce Zelda-là, c'est un peu un Zelda easter egg. Hein. Et en même temps, c'est pas les mêmes développeurs que... Que les autres Zelda. Ce Zelda sur Game Boy. Un peu comme le Mario Land, hein, qui a pas été fait par les mêmes développeurs que Super Mario Bros. Ah voilà, enfin, il y a un hibou là. Voilà, je joue n'importe comment, voilà, faut avoir cet ennemi-là comme ça. Et hop, si on pose ça là-dessus, en fait, sur le hibou nous donne un indice. Donc, loin devant toi, ne crains rien, fonce et vole. Bon, c'est un indice dans un endroit quelque part. Même si, généralement, les indices, en fait, ils sont dits un peu trop tardivement. Lorsqu'on a déjà résolu l'énigme auparavant, donc... C'est un peu dommage. Mais bon, après, ça a le mérite d'exister. Hein. Mais c'est juste qu'ils ont, ils n'ont pas bien fait... c'est pas assez bien rythmé, en fait, ces trucs-là. Ils les montrent un peu trop tardivement. Enfin, on a un peu trop tardivement le bec. Pour pouvoir avoir les indices. Oh. Ah oui, et là, j'ai pu renvoyer leur projectile parce que j'ai le bouclier miroir. Mais au début du jeu, on a le bouclier... classique, le bouclier d'Hyrule, et on ne peut pas renvoyer les projectiles. Sinon, voilà, je pense que c'est tout. Là, voilà, comme vous pouvez le voir, là, faut avoir... parce que, bon, je vais pas trop vous spoiler, mais bon, là, c'est... en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voilà, en gros, ça nous montre très clairement qu'il y a 8 donjons dans le jeu. Parce que à chaque donjon, on récupère un instrument de musique. Et
parce que c'est le thème principal de ce Zelda, c'est que dans celui-là, on débloque en fait divers instruments de musique, parce que dans un certain endroit, voilà, j'ai du mal à parler là. Alors, dans un endroit particulier, on doit jouer une mélodie avec l'ocarina. Et il faut en même temps que l'ocarina soit en compagnie, je trouve pas le mot, soit en compagnie de ses autres instruments pour pouvoir faire évidemment la mélodie totale quoi. Enfin, oh purée, j'ai du mal, je trouve pas les mots là. Soit accompagné, voilà, que l'ocarina soit accompagné par les autres instruments pour pouvoir faire la bonne mélodie. Voilà. Enfin, j'ai du mal. La fatigue. Sinon, voilà, on a les objets de quête sur la gauche. Ça, c'est baume secret, alors ça, c'est assez spécial. Je n'ai pas su, lorsque j'ai récupéré pour la première fois dans un donjon du baume secret. Je ne sais point ce que c'est. À quoi cela sert-il? Et en fait, c'est le truc que nous donne Monique. Donc quand on va chez Monique, voilà, je sais pas, elle nous fait un petit bisou, hop, elle nous requinque en un clin d'œil, et hop, elle nous donne notre petit, enfin, son petit baume secret. En fait, le baume, ça nous permet d'avoir une seconde chance, un peu comme les fées, c'est que si on perd tous nos cœurs, là vous voyez que mes cœurs en haut à gauche, ils sont entourés par... ils sont entourés par une ligne blanche, et en fait, ça veut dire que j'ai du baume sur moi, quoi, en gros. Et en gros, si je perds tous mes cœurs ne seront plus entourés, et par contre, voilà, je perds la vie, mais hop, je ressuscite comme si j'avais une fée, et je récupère tous mes cœurs. Voilà, donc c'est encore mieux qu'une fée. Voilà, donc le baume, c'est quand même assez important. Alors après, ça coûte à peu près 45 rubis, donc c'est pas trop cher. C'est 25 rubis et par moment 45 rubis, c'est ça à peu près. Et sachant que les rubis, on en récupère quand même assez rapidement. Sinon, cette étrange loupe permet de voir l'invisible. Bon, ça c'est... J'ai pas trop utilisé ça. Ah non, c'est vraiment à la toute fin, ça. C'est pas un objet très important. Voilà, les palmes pour nager. Bottes de Pégase pour, hop, courir plus vite comme ça. Et pour pouvoir sauter plus loin. Parce que de base, Link, il saute pas très loin. Alors attendez, je vais essayer de quitter rapidement ce donjon. Bref, on va remonter. Pour pouvoir vous montrer quelque chose. Alors, attendez. Hop. Pour pouvoir vous montrer un petit mini-jeu qui était plutôt sympathique. Il y a plusieurs mini-jeux dans ce Zelda. On va se TP. Hop. Directement. Alors, bon, ici c'est le plus près. On va se TP dans le village principal. Enfin, le premier village du jeu. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de villages, hein. Il n'y en a que deux réellement. Celui-là et le village des animaux. Parce que sinon, globalement, on voit plutôt des maisons un peu isolées. Je crois que c'est ici. Voilà, et donc là, le bouclier d'Hyrule. Le bouclier Ilion. Alors, il me semble que... Bah, je crois qu'on commence dès le départ avec le bouclier Ilion. C'est juste qu'on risque de se le faire... de se le faire voler, il me semble, dans le jeu. Je ne sais plus comment... Si, c'est des ennemis qui nous aspirent là, enfin qui ressemblent un peu aux ennemis qu'on retrouve dans Ocarina of Time. Des espèces de vers qui ouvrent leur bouche vers le haut là, enfin c'est un peu dur
à décrire ces trucs-là. Mais bon, là, c'est la boutique, donc c'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer de base. Il est où le bras mécanique? Ah, et sinon, oui, on peut être aussi aidé assez facilement par le maire du village. Donc voilà, on va dans ce genre de petits bâtiments, enfin, ces petits arbres. Hop! Qui nous donne direct sur un téléphone fixe. Et voilà, en utilisant le téléphone fixe, en fait, à chaque fois, on appelle le maire du village, enfin le Pépé le Ramolo. Qui va à chaque fois nous donner des indices pour pouvoir continuer le jeu. Car de nombreuses reprises, quand même, on peut être bloqué. Hein. C'est pas un jeu si simple que ça. Même si, globalement, il est très logique hein, dans son fonctionnement, dans son cheminement, etc. Il n'y a pas trop de choses farfelues, à part voilà, l'anecdote avec le cochon en métal, là, où on était obligé, en armure, on était obligé de faire ça. Ça, je trouve ça nul. Mais c'est tout, sinon globalement le jeu est très bien maîtrisé à ce niveau-là. Ah tiens, je peux choper un Goomba là. Bon, attendez, je vais... C'est nouveau ça. Ah oui, parce que ça se renouvelle en fait. Le bras mécanique, c'est que plus on avance dans le jeu et plus on va avoir des objets différents. Ou aussi si on réussit à choper des objets. Alors, X pour déplacer vers l'avant et A pour se déplacer vers la droite. Alors, je pense que vous avez bien compris ce qu'il fallait faire. Donc, il faut mettre, hop, le bras mécanique à peu près par là. Et après... Alors, il faut attendre que le Goomba y repasse par là-bas. Peut-être à ce moment-là. Parce que le truc, il met vraiment du temps à descendre. Évidemment, prier pour que le Goomba ne tombe point. Mais quelle maîtrise, mais c'est magnifique. Parce que forcément, hein, la force des bras mécaniques, hein, forcément, c'est... C'est que c'est une arnaque. C'est que ça marche presque jamais, sauf dans ce Zelda. Mais il y a quand même la petite arnaque, la petite fourberie. C'est que le bras mécanique, déjà, il met du temps à descendre. Faut avoir un bon timing. Et puis surtout, voilà, quand il se referme, il se referme pas très bien, et forcément, bah, il peut faire tomber l'objet en question. Hein. Voilà, c'est comme dans les foires. Voilà, là, je peux choper... Oula, là, on a eu un beau lag. Là, on peut choper, voilà, le rubis. Assez facile à choper, par contre, hein, quand on a pris le coup. C'est même comme ça que je me suis fait pas mal de rubis hein, assez rapidement. J'ai fait plusieurs fois la partie, je suis sorti du bâtiment, je suis revenu du bâtiment pour faire recharger le rubis violet. Qui nous donne quand même... Ah, je ne voulais pas rejouer, bon c'est pas grave, on va faire le rubis là. Hein. Hop. Hop, et là, voilà, ça c'est un truc à 20 rubis. Et le violet, c'est 50 rubis, donc on peut quand même se faire rapidement pas mal de rubis, car une seule partie nous coûte seulement 10 rubis. Donc on peut faire de la thune comme ça. On peut se faire de la thune rapidement. Vous avez gagné une figurine de Goomba. Voilà, figurine de Goomba. Si je reviens, peut-être qu'il y a une figurine d'autre chose, hein. Ça se trouve. Ah, c'est un quart de cœur, bah tiens. Est-ce que j'ai... Ah, bah, prochain quart de cœur, j'ai un cœur en plus. Bon. Parce que comme son nom l'indique, quart de cœur, il faut en avoir 4 pour pouvoir avoir un cœur supplémentaire. Je crois que c'est là-dedans qu'il fallait déposer un Goomba, un truc comme ça. Parce que dans certains bâtiments, du coup, on peut déposer une figurine. Alors, je ne sais pas si c'est une référence aux Amiibo, mais bon, ça m'étonnerait, parce que dans le jeu d'origine, sur Game Boy, il y avait déjà ça.
Ah, d'ailleurs, le... La première figurine qu'on avait, c'était Yoshi. Et Yoshi, c'était pour résoudre... pas une énigme, mais pour faire une quête. C'était important pour avancer dans le jeu. Attendez, c'est peut-être là le Goomba. Bon, ça sert pas à grand chose, je crois, de déposer le Goomba. Peut-être qu'à la fin, ça nous donne un truc. Hein. Plante piranha. Bon, voilà, faut trouver la plante piranha, je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'il faut avoir le quart de cœur pour avoir la plante piranha. Bon, ça, ça sera à vous de le découvrir. Voilà, après, globalement, bon, on va bientôt se quitter. Alors, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Hein, évidemment, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour essayer de ne pas vous spoiler. Évidemment, je ne vais pas vous raconter l'histoire du jeu. Qui est à la fois simple, mais assez poignante. C'était un peu du jamais vu pour un jeu de Game Boy, quand même. Parce que même au niveau du scénario, c'est quand même... assez évolué pour de la Game Boy. Et puis pour l'époque, en 93. Il y avait quelque chose. Bon, alors que c'est vrai que généralement, les scénarios des Zelda, ce n'est pas formidable. Hein. Bon, même le dernier Zelda, le Breath of the Wild, bon, ouais, il n'est pas trop mal, parce que voilà, il y a des cutscenes, il y a de la mise en scène et tout, mais bon, globalement, c'est juste Ganondorf qui a pris le pouvoir, et donc on se retrouve dans un monde dévasté. Enfin, voilà. C'est tout simple. Alors après, c'est après l'apocalypse de Ganondorf, donc voilà, c'est un peu plus original, mais bon, le scénario est tout simple. Même si bon, c'est vrai que si on y prend un peu plus le temps, c'est un peu plus complexe. Et bon, je trouve que le Zelda, enfin, les Zelda 3D, même si moi je préfère les Zelda 3D globalement, eh bien, par rapport au 2D, voilà, globalement, je préfère les Zelda 2D en termes de scénario, par contre. Mais en termes de gameplay et d'immersion, je préfère les 3D. Mais c'est vrai que les Zelda 2D sont plus évolués en termes de scénario, parce qu'ils sont à la fois plus simples, il y a moins de dialogue, mais ils ne parlent pas pour rien dire. Il y a toujours une petite subtilité, il y a toujours un truc. Il peut y avoir une seconde lecture, une relecture, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, du coup, réellement Zelda 3 de la Super NES grâce au let's play de Nayamu, alias Yuyu. Et c'est vrai que... Bah après, il explique quand même assez bien les choses. Et c'est vrai que c'est un peu une seconde relecture quand on refait le jeu. Et puis même, globalement, il y a quand même certains passages qui sont... un petit peu tristes. Voilà. Ce n'est pas non plus un monde tout rose, tout mignon comme Mario. Se rappeler quand même que Zelda, il y a un petit côté sombre hein, quand même, attention. Et donc voilà, pour conclure, ce Zelda sur Game Boy était une grande surprise, et je peux comprendre que ça a marqué plus d'un joueur. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, après, le jeu s'enchaîne assez facilement, on est vite happé par le jeu, hein, parce que moi je trouve que même si, pour ceux qui avaient déjà fait le jeu à l'époque sur Game Boy, le redécouvrir dans cette version Switch avec ses graphismes haut en couleur, surtout, c'est pas un portage de fainéant, enfin, là c'est carrément un remake. Donc, même si c'est le même level design et qu'il y a très peu de nouveautés, et ben, je trouve quand même que pour ma part, vu que c'était un jeu marquant, et bien ça vaut le coup de l'acheter, même si on l'avait à l'époque sur Game Boy. Enfin, moi je l'avais pas personnellement,
J'avais que des jeux moisis sur Game Boy, vendu. Ah, j'avais un vieux jeu de plateau, là. Le truc, il n'a aucun sens, là, où il fallait peser des trucs. J'avais un Scrabble. J'avais même pas Tetris. Ah non, mais j'avais rien. Sur Game Boy, j'avais des jeux nazes. J'avais un Winnie l'ourson. Ah non, mais c'est une catastrophe. Ah, je vous montrerai un jour ma ludothèque Game Boy. C'est assez marrant. C'est un peu amélioré sur Game Boy Advance, mais c'est pas non plus folichon sur Game Boy Advance. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Putain, j'avais même un jeu sur les Razmoquettes, quoi. Oh. Ah non, mais... j'avais des jeux tout pourris. Ah vraiment, et puis... Du coup, moi, pendant des années sur Game Boy, moi, je me suis dit, mais... La Game Boy, c'est un peu nul. À part Pokémon, y'a quoi? Et au final, après, j'ai vu... Ah purée, il y avait quand même Mario Bros... Enfin non, ça c'est sur Game Boy Advance, il y avait le Mario Bros... la réadaptation de Mario Bros 3. Sur de la NES. Mais voilà, pas que. Sur Game Boy Color, il y avait les Mario Land, qui étaient vachement sympas. Il y avait le Wario Land, du coup. Qui est alias le Mario Land 3. Donc quand même, il y avait des bons jeux, purée. Et puis le Zelda, forcément. Et moi, je suis passé à côté de ça, même le Castlevania aussi, purée. Mais je suis passé à côté de ces chefs-d'œuvre, le Metroid aussi, purée, vendu. Je suis passé à côté de tous ces chefs-d'œuvre. Ah là là. Catastrophe. Bon, on est parti un peu en live. Voilà, on va se mettre à côté de ce petit renard tout rond. Si on le tape, voilà, il nous attaque. Bon, après, il attaque plus. Surtout, ne pas attaquer les poules, hein, ça c'est très important. Dans n'importe quel Zelda, attention. C'est l'ennemi le plus coriace. Enfin, c'est même l'ennemi le plus puissant du jeu. Plus puissant qu'un boss. Faut faire très attention. Alors, Dark Souls à côté, c'est rien du tout. Voilà, sur ce, voilà, graphiquement, le jeu est très beau, malgré les baisses de framerate. Il reste quand même jouable. Les musiques, voilà, sont réorchestrées, sont vraiment sympas à l'écoute. Ah, d'ailleurs, on peut revoir la petite Marine. Elle est quelque part. Elle est où? Quand elle chante, par contre, il me semble que ce n'est pas une vraie voix, hein. C'est une sorte d'onomatopée, hein. Ouais, elle ne chante plus, hein. Bon, avant, elle chantait. Mais bref, c'était juste des onomatopées. Mais bon, après, je trouve que ça va bien dans le style. Très simplet. Très simple. Sur ce, je vous dis... à la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Et pour de futurs vidéotests.